Des effluves, comme à la maison. Dans la cuisine, cette bénévole concocte un plat traditionnel ukrainien. Ça s'appelle de borsch. C'est le soupe traditionnel ukrainien avec des bouillons de viande et avec beaucoup de légumes. À l'occasion d'un repas, réfugiés et bénévoles partagent les saveurs de l'Ukraine et un peu de réconfort. Irina a accueilli chez elle quelques membres de sa famille. Depuis le début de guerre, on est vraiment, avec mon mari, on a beaucoup souffert, avec mon enfant aussi. Donc finalement, j'ai proposé de venir chez nous. Donc on est tous dans notre appartement, un petit peu serré, mais bien. Irina est arrivée il y a 2 semaines. Et en dépit des kilomètres, elle tente de garder, malgré tout, sa vie d'avant. Je suis les cours à distance dans mon école d'infirmier. Nous avions l'habitude avec le Covid et nous avons dû le refaire en février. Un moment de partage pour peut-être se sentir moins isolée. Voilà près de 3 mois que Ludmila a quitté Kiev et l'urgence de l'exil a laissé place au mal du pays. J'aimais beaucoup voyager, aller en France, mais pas dans ces conditions. Je ne le vis pas comme un voyage d'ailleurs. Après plus de 3 mois, le temps paraît long, surtout lorsque je regarde les informations et toutes ces choses horribles qui se passent dans mon pays. Une soirée pour récolter des fonds et acheter une ambulance pour le front, mais aussi pour découvrir les saveurs d'un pays. La nourriture, c'est nous. C'est nous et c'est notre histoire, c'est notre tradition. On fait ça depuis des siècles. Quoi de mieux qu'un bon bourguignon à la sauce ukrainienne pour sceller cet échange de culture, cette amitié entre deux pays et rendre hommage à tout un peuple.